Allez, wouhou! Salut à toutes et à tous, il est 16h, comment allez-vous les amis? Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Et dorénavant les amis, on va faire des largages aériens à chaque fois parce que c'est vachement fun. C'est vachement fun, n'oubliez pas le pouce bleu les amis et surtout, n'oubliez pas de faire des pauses. Alors je dis n'oubliez pas comme si c'était quelque chose de normal, mais je pense que vous avez vu la durée de la vidéo les amis. On est parti je pense pour un très très bon moment ensemble. On va durer pas mal, voilà, on va durer pas mal, là j'ai vraiment envie et j'espère que ça va vous faire kiffer, une bonne longue vidéo, un bon long épisode, vraiment, je compte sur vous, hop là, pour bombarder les pouces bleus, ah bah quand même, ah parce que bon, c'est quand même, hein. Allez, bon les amis, aujourd'hui on doit inspecter le terrain de baseball, ça va être assez simple, alors là nous sommes actuellement d'ailleurs à Lausania, à ce petit village assez sympathique, assez safe, il y a une carte au trésor d'ailleurs, une chasse au trésor juste à côté, une planque qu'on n'a pas encore découverte, donc je pense qu'on va faire ça. Eh bien aujourd'hui, hein, tout simplement. Je rappelle que là, l'objectif, ça va être de voler un avion militaire par la suite. Philly nous demande des choses assez complexes. Mais d'abord, avant toute chose, il faut donc trouver la lanceuse de balles de baseball. Et si j'ai bien compris... Alors j'ai rien à faire là, hein, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, moi. Je veux récupérer ça et ça. Voilà, merci. Si j'ai bien compris, je pense que on va être avec un avion... Qui va tirer des balles de baseball, si j'ai bien compris. C'est vraiment barré, hein. C'est vraiment barré. Ça n'a aucun sens, mais vous savez que Philly, c'est un petit fou. C'est un petit fou et on l'aime. On l'aime, on l'adore. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Troisième prise, c'est fini. C'est dégueulasse. Pour les parias. Prochain joueur à la balle, c'est paria 3401. Impéré. Un frappeur puissant formé dans une de nos fermes. J'avais pas vu ça comme ça. Oh non, c'est horrible. C'est comme ça qu'ils s'amusent au baseball. 32 à 0 pour les braves soldats de Yara. Voyons si les parias vont pouvoir renverser la vapeur. C'est comme ça qu'ils jouent au baseball. Moi, je vais leur montrer comment on joue. Je vais leur montrer comment on joue au baseball. Oh non, les pauvres, j'ai mes collègues qui sont morts. J'aime pas ça. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les fumer ou pas? Il y a un sniper juste ici. De toute façon, je vais les fumer. Eh, entre nous. Entre nous, ils méritent que ça. Hein. Ils méritent que ça. Voilà, repose-toi, t'as raison. Je vais me faire cramer. Mais tout va bien. Sergent mort. Une annonce spéciale du président Anton Castillo. Cadavre. Trouvons cette ordure. Ah merde, je me suis fait cramer. Je me suis fait cramer. Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Ils sont peut-être plusieurs. Putain, j'arrivais pas à le fumer. Je veux pas mourir. Allez, butez pas les innocents, hein. Ça va la comédie, hein. Voilà. Et encore un. Encore une. On va la laisser. Et là tu me vois encore. Alors, c'est par ici. Hop. Lire. Les fans de baseball Yaran ont pu assister ce dimanche à un match qui restera dans les annales, je crois que c'est le cas de le dire, lorsque les Gorillas ont su renverser la domination de leur adversaire. Je m'en fous. C'est infâme. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. C'est infâme. Attends, elle a peut-être besoin d'aide, elle. Voilà. Ça va, les copains? Oh là là, c'est horrible. Attendez, je vais vous libérer, les frérots. J'arrive. De ce pas. D'abord, je récupère des petites choses et j'arrive. Hein. Je suis à vous. C'est promis. Allez, rejoignez la Libertad, les copains. Sûre. J'ai cru que j'allais mourir ici avec les autres parias. Les demandes de voyage nationales et internationales sont soumises à approbation. Oh ta gueule. Sans demande d'approbation, ça va, tout déplacement sera considéré comme un délit. Ah. Si vous n'êtes pas Juanita du balai, ce mot n'est pas pour vous. La carte d'accès est là-haut dans la cabine des commentateurs. Ah.
La cabine des commentateurs. Ah bah c'est bon, mais je l'ai récupéré en fait. Je l'ai récupéré. Hop. Voilà. Ce qui me permet d'ouvrir et de prendre. Fini doit avoir une bonne raison. Donc là t'es en train de me dire que j'arrive à porter dans mon sac à dos le lanceur de balles gigantesque. Très bien. Trouver un avion de chasse pour Philly. Alors j'ai deux possibilités. Il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère, ça va, il en a rien à foutre de nous. Hop, nous on s'arrache. Ok, je peux pas sauter par-dessus ce mur. Oh, mais c'est très joli. C'est très joli. Du coup les amis, alors attendez, il faut que je récupère ici un avion de chasse, soit là, je pense qu'à un moment donné, il n'y en aura pas à un certain endroit. Donc on va commencer par ici, ça me paraît évident. Il y a des caches partout, les amis, on va les récupérer. Hein. Oh, et sur le chemin, il y en a encore. Oh, bah bien sûr. Allez, on va suivre la route, les copains. On va aller récupérer les caches. Calme-toi, toi. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Beaucoup de choses à récupérer. Et on va en profiter, puisqu'aujourd'hui, les amis, on n'a pas de limite de temps. Voilà, aujourd'hui, c'est un épisode. Je ne sais même pas combien de temps ça va durer, hein, très sincèrement. Vous le voyez à l'avance. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais on va faire durer. On va faire durer le plaisir. Ça va être que du bonheur et on va bien avancer. D'ailleurs, les amis, je me suis un petit peu spoil. J'ai regardé sur mon compte Ubisoft. Et on en est presque à 40% du jeu. Voilà, je sais pas si je devais vous le dire, mais je vous le dis. Voilà, c'est trop tard. On peut plus revenir en arrière. Voilà, désolé pour le spoil. Donc, on est presque à la moitié du jeu. Mais, ça prend du temps. Ça prend du temps, vous l'aurez remarqué. Voilà. Donc, tout va bien. Il me fait peur, lui. Hein. Il me fait peur. Alors. Je pense que j'ai pas trop le droit d'être là. Mais moi j'aimerais récupérer ce coffre. Alors. Oh bah ça va. J'ai le droit de me promener quand même. Mon officier. Ah ça va. Ton grade ne protégera pas. Non, ton grade te protégera pas, ma petite salope. Excusez-moi pour ma vulgarité. Attends, j'attends juste que les camions passent parce que. Ce serait fort dommage! Salut Catherine! Adieu Catherine! Voilà Catherine! Alors la petite cache, la première, merci! Ouh! Une mitraillette MP5K qu'on n'utilisera probablement jamais, hein, comme toutes les armes que nous récupérons. Mais c'est pas bien grave. Par ici, bonjour! Voilà. J'entends quelqu'un. Ah oui! Je récupère, je ne fais que passer. Voilà. Foudre à canon. C'est bon, mais fais pas genre. Voilà. À un moment donné, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. J'adore. C'est pour ça que j'aime Far Cry. C'est. Voilà, c'est incroyable. Attendez, bonjour. On peut pas rentrer, très bien. Ouh, des médocs. Très bien. Et en plus, on se rapproche du camp. C'est juste formidable. Voilà, ça c'est fait. Les autres caches, elles sont sur le chemin ici. Très bien. Tac, 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 tac. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut éventuellement mettre plusieurs marqueurs? Non, c'est chiant. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça. Alors, range ton arme. Hein. Je ne suis pas là pour faire la guerre. Un fumigateur. Attends, je vais l'aider. Oh oui, oh là, embuscade. Oh. Je pouvais plus sortir d'arme. Viens vous aider! Bah. Oh là! Oh, c'est pas ma guerre en fait! Attendez! Voilà. Lui il est à terre. Voilà, toi je t'achève. Meurs, salope! Mais où ça? Je ne vois pas. Je suis aveugle, je suis aveugle, je suis aveugle. Je suis aveugle. Voilà, bon, ça c'est fait. Comment bien se faire cramer. Voilà, plus de lance-roquettes, fini. Ça c'est fait, ensuite. Lui, il est bouche bée. Eh bien, c'est parti, continuons nos aventures. C'est super. Ok, c'était pas l'approche la plus discrète. Faut que je fasse gaffe.
Bien sûr, il faut faire gaffe, c'est très important. C'est très important, il y a un tank. S'il me voit rentrer, je suis mort. Oh putain. Non mais gros, je me fais attaquer par des animaux. Je me suis retenu de crier. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette petite merde? Mangouste! Qu'est-ce qu'elle veut la mangouste? Attendez, parce que... Ah ouais, l'outil le menace avec un lance-roquette, quoi. Rien ne m'échappe. C'est un peu démesuré, hein. Si je puis me permettre. Ok, bah c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va commencer par lui. Voilà, bonne nuit. Hop, voilà. Non, mais... Il faut pas... Je vous en prie. Oui, oui. C'est moi. Ça va? Tout va bien? T'avais une voix de femme, toi? What? Il avait une voix de femme, on est d'accord? Non. Non. Bon, après, on est en 2021. Hein. Bon, allez. Parce que là, je me rapproche. Ce bordel nuit à tout le monde. Je suis bien d'accord. Attendez, laissez-moi récupérer d'abord. Attention aux flammes. Attends, j'arrive. Je vais venir vous sauver. D'abord, ça pour moi. Ça aussi. Couleur à canon. L'avion, j'ai peur qu'il me crame, hein, par contre. J'ai des trucs à récupérer là aussi. Je vais crever. L'esquive doit pas être loin. Couvre-la. Oh putain. Couvrez-moi. What? Oh putain, mais il y a encore un collègue. Je crois qu'il y a un collègue à moi là. Bon, j'ai récupéré ce que je voulais. Moi, je suis là juste pour récupérer des caches, hein, pour le moment. Hein. Venez pas me casser les couilles. Ok. Ah. Ta gueule. Ok. Oh putain, il est en train de prendre feu. Il y a tout qui prend feu là-bas. Oh mon dieu. En vrai, je pourrais tout détruire, hein. Je suis sûr que ça me ferait des points. Allez. Hop hop hop. Oh, il y a un largage là, tu vois, ça me plaît. Là, il y a un largage et ça me plaît. Ok. Mais je vais peut-être pas pouvoir le récupérer là, ça pue le poison là. Vas-y, je vais essayer. Je parle pas trop les amis hein. Vous m'en voudrez pas. Hop. Rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ça c'est pour moi. Il me cherche. Hop. Et voilà. Allez, salut. Je parle plus trop, hein. Là, vraiment, je suis sous tension. T'inquiète, c'est dans ta tête. C'est hallucinogène. Et quand je dis dans ta tête, je parle pas de mes balles, hein. Cogno. Oh, ils ont trouvé le corps, non? Cherchez bien. Ouais. Allez, hein. Je suis tellement dans la merde. Parce que là, pour ressortir, bonjour, hein. Donc, hein, on va tout fouiller, tout faire. Voilà.
toujours un canon. C'est toujours un plaisir. Il me reste encore... Ah merde, il y a une cache encore là. On a bientôt fini les gars. On a bientôt fini. Oh putain. Oh ta gueule. Je suis cramé par l'avion. J'en étais sûr que l'avion me cramerait. Mais bon, il va rien faire. Bon, s'il revient, je me casse. Hein. Attendez. Merde, un camion! Je suis dans la merde. Allez, ciao! Ciao, bambino! Tant pis pour la cache. Tant pis pour la cache. Tiens, tant qu'on y est, on va prendre celle-là. Ouais, non, mauvaise idée. J'ai trop peur! Allez! De toute façon, on s'en fout, on est déjà dans la merde. Donc là, on va voler un avion si on peut. On m'a tiré dessus là. On m'a tiré dessus. Il y a un avion, il y a un avion. Ok, on me tire pas dessus. On est en train de tirer sur un civil. C'est pas ma guerre. Va falloir faire gaffe. Oh là là. Les forces spéciales. Cognon. Ok. Oh non. Pas encore l'avion hein. Pas encore l'avion hein. Allez, on va voler l'avion. Enfin pas celui-là du coup, mais tu m'as compris. Ah, j'aime pas ce jeu. Allez. On avance, on s'élance. Lui cherche quelque chose ou quoi? Super. Super. C'est pas vrai, vous me voyez pas. Regardez bien. Ça va aller très vite. Ça va être du spectacle que vous ne pourrez voir que sur la chaîne d'Emcolo. Oh oui, ça va être magnifique. Merde. Je pourrais faire un truc très joli. Je pourrais faire un truc très joli. Malheureusement, je pense que... dans ce contexte, ça va être un peu complexe. Allez. C'est pour moi. Cet avion devrait plaire à Fini. Je vais le livrer à ce regard. Je sais plus comment on conduit. Comme ça. Allez, c'est parti. Hop là. Tout va bien. Allez, faut que j'aille derrière. Les gars, je sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. Arrête! J'arrive pas à contrôler, les gars. Allez, c'est bon, c'est par là-bas. Apporter l'avion. Non, attends, ne me dis pas que je dois... que je dois atterrir. Attendez, afficher les commandes. Tanguer. Descendre du véhicule, surtout pas. Ralentir, ok, c'est bon. Allez, on est bon. Apporter l'avion à Philly. Ça s'est super bien passé pour le coup. J'ai pas pu récupérer toutes les caches que j'aurais voulu récupérer, mais c'est pas bien grave. On en aura pris quand même pas mal en vrai. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et puis, comme on a neutralisé les canons anti-aériens, bah vous voyez, on n'a pas eu de problème en fait. Donc ça fait plaisir. J'ai un petit peu peur de s'il faut atterrir ou s'il y a une cinématique. Je vais pas vous mentir. Parce que si je dois atterrir de moi-même, on va pas y arriver. Très sincèrement. Mais on va essayer. Allez, c'est parti. Ah, si, ça le fait. En vrai, ça le fait, on a de la chance. Hop. Eh, regardez, mieux que Flight Simulator, les gars. Eh.
Entre nous. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. Il va être très content, Philly. Philly. Ah ouais, en fait, faut vraiment que j'emmène moi-même, quoi. D'accord. Ah bah, j'ai bien fait d'atterrir. Et voilà le travail. Ça, c'est fait. Ah, quelle beauté, la vedette. Ah, Magic Philly est joué maintenant. On se revoit au camp. Très bien. Très bien, ça marche. Donc là, concrètement, il va y ajouter... Enfin, on va shooter avec des balles de baseball, l'avion. Non, mais attendez, c'est quand même incroyable, mon petit Philly. C'est quand même incroyable, hein. Ouais, t'es incroyable, mon bonhomme. Attendez, il y a plein de trucs à récupérer, là. Ça fait toujours plaisir, attendez, c'est plutôt cool. J'ai réfléchi aussi en off, là, avant de tourner, mais je me suis dit... J'aimerais bien changer d'arme un peu, genre... remplacer la AK-47 par autre chose. Ou la RPD, en vrai. La RPD, je m'en sers pas. La RPD, je m'en sers pas. On pourrait peut-être utiliser la... Ouh, la MP5K. Elle fait pas de dégâts, là, la petite mitraillette, c'est normal, mais... Ça, la MP5K, ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être pas mal. Et on va... Et on va de ce pas la rendre encore mieux rapidement. Oh, oui, en vrai, ça va être très sympa. On lui met pas de silencieux, bien sûr, on n'en a pas besoin. Attendez. Hop, du coup, on va lui mettre... Le but, c'est qu'elle fasse des dégâts, hein, clairement. Donc, voilà. Ça, c'est pour les silencieux. Ou, justement, pour augmenter la précision. Petit compensateur, voilà. Ça, c'est super pour une mitraillette. Y a rien de mieux. Le viseur. On va pas mettre de viseur. Moi, je suis à l'ancienne, hein, pour le coup. Je suis désolé si vous aimez bien les viseurs. Pointeur laser. Ouh, il y a des lasers et tout. Oh là 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 là. Oh, bah là, niveau précision, on est au taquet, hein. On est au taquet, mais attendez, laissez-moi voir les autres armes. Parce que si on peut mettre des lasers, c'est juste bueno, quoi. L'AK, emplacement optique. Ah mais non, ça c'est pour un viseur. On peut pas mettre de laser. On peut pas mettre de laser, par contre, visée précise. Ouh. Augmente les dégâts des balles tirées dans le corps. Ça on veut, ça. Ça on veut, hein. Emplacement optique, emplacement de bouche. Ok, c'est bon. Et enfin, juste le petit pistolet. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on peut faire encore, non? Non, on a mis notre machin. Très bien. Et l'arme principale, une, notre petit sniper. On a dû rater quelque chose. Non, on a tout. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas de meilleur silencieux. Ok. Allez, on va pas perdre plus de temps là-dessus. Mais nous avons du coup, regardez, une... Oh là 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 là. Je sais pas comment on fait une inspection, mais... Ah bah j'ai trouvé. Oh là là, elle est magnifique. Oh, ça va être incroyable. Ça va être insane, les gars. Mille fois mieux que l'AK. Mille fois mieux que l'AK. Oh, c'est mon arme de prédilection. Là. Oh, là, on est trop bien, les copains. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, les amis? Ah, je sais. Attendez, on va se téléporter ici, à la planque Trova. On va aller découvrir cette petite zone. Puisqu'en fait, on a tout découvert autour, sauf ici même. Donc, autant le faire. Et comme ça, on va se faire la petite chasse au trésor en attendant, qui est juste à côté. Ça peut être plutôt intéressant. Et puis après, on va continuer évidemment l'aventure. Clairement, et cet épisode, on va être très efficace, hein, parce que c'est un épisode quand même... Viens par ici. ...relativement long. Et... Ah mais non, mais on était déjà là, en fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? On était déjà là. Par contre, hop, on va se faire ça. Et ça, c'est quoi? Et si on faisait un peu de sans saisie, détourner un char, puis rapporter-le au garage. D'accord. D'abord la chasse au trésor. D'abord la chasse au trésor. Qu'est-ce que tu veux me dire, ma sœur? T'as des infos pour moi? Camarade, un poste de contrôle militaire coupe nos routes d'approvisionnement. En le détruisant, tu rendrais un grand service à la cause. Merci mille fois. Très bien. Très bien. Il est là-bas, d'accord, à 1000 mètres. Ah, c'est celui-là, d'accord. Il y en a un là aussi. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en vrai, on prend quand même notre temps, hein. Mais en vrai, on explore vite. À la fois, on prend notre temps et à la fois, on explore vite. Ouais, du coup, on va faire notre carte au trésor d'abord. Notre chasse au trésor, pardon. Bah, attendez, on peut récupérer des trucs à l'infini ici, c'est incroyable. C'est génial. On récupère vraiment des trucs à l'infini. Et là, attendez, il se passe quelque chose ou pas pour moi? Évasion. Ça y est, on peut donner les ordres. On est arrivé sur le site secret à la faveur de la nuit. On est posté à l'intérieur, il faut qu'on y accède. Et ben, on va prendre le 90% de réussite. Coût 30... Essence. S'en fout, vas-y. Étape 1, c'est fait. Et ils sont 10. Ensuite,
100% de réussite. Plastique résistant. Des infos supplémentaires sur les compétences des chefs. Pour chaque opération, des bandidos disponibles. On s'en fout, ça pue. Par contre, ça m'intéresse. Mais si c'est pour perdre des hommes, c'est ça. Ah, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Bah vas-y, tant pis. On va voir, peut-être que là ça va être bien. Attends, je vais pas sacrifier mes hommes pour rien. Jouer du klaxon, il va peut-être falloir abandonner l'opération. Ah oui, non, il faut pas faire ça. 100% de réussite, brûler la forêt. Et on gagne des pesos. Ou là, du métal. Ah, lancer une voiture. Ah. Récompense finale, recrue. Bah alors, faisons brûler la forêt. Hein. Attendez, on va pas faire d'échec dès le début, hein, quand même. J'ai pas envie de perdre des hommes pour rien. Réfléchissons à long terme, les amis. Tu vois, là, on vient de gagner 5 personnes en plus. Donc, voilà, on pourra se faire kiffer pour la suite. Regardez, là, on peut gagner 1000 pesos. Vas-y, résistance locale. On va l'envoyer. Hop. Et on reviendra, je pense, dans une heure. Très bien. Donc, pas aujourd'hui. Du coup, notre carte au trésor, notre chasse au trésor, c'est par là-bas. Comment on fait pour y aller? Eh bien voilà. J'aurais pu aller en hélicoptère, mais... Oh, c'est super beau. Oh là là, c'est magnifique. Attendez, on va y aller en wingsuit, les gars. C'est parti. Magnifique. Magnifico. Quand même, hein, ce jeu. Ce jeu est d'une pépite. Alors ça, ça a pas dû être facile à peindre. Fresque de la Triada. Il y a une fresque. Elle a parlé d'un truc, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je dois être sacrément aveugle. Il fait bon vivre par ici, là, dites-moi. C'est des potes en plus. Hello. Ouais, il fait bon vivre par ici, là. Et là, il faut que je ramène un char ici. Bon, on fera ça, il n'y a pas de problème. J'aimerais récupérer... Ok, je peux pas rentrer. J'aimerais rentrer. Ah, je pense qu'il me laissera rentrer une fois que j'aurai ramené le char. Bien. Libère ta créativité. Lâche-toi. Ouh. Oui, j'arrive après, promis. Promis. On fera ça après. Mais d'abord, je veux faire ma chasse au trésor. Et d'ailleurs, je vais me permettre de rentrer chez les gens. Parce que finalement, ici, bah, c'est un petit peu chez moi. C'est un petit peu moi qui fais la loi. Donc à un moment donné... Voilà, c'est un peu communiste, hein, ce que je viens de dire, mais tout m'appartient. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est parti sur un sacré délire, mais vas-y, avec plaisir. Je m'appelle Elysio Zayas et j'ai entrepris un périple. Un périple dont le fruit fut ma fresque, ma plus splendide création. Il ne s'agit pas d'un simple imbroglio de forme et de couleur, mais d'un portail menant au plus précieux trésor que recèle cette île. Allez à la fresque, mettez vos pas dans les miens. Si les esprits se montrent cléments, vous débloquerez le pouvoir caché d'Ida. Le Zayas. Pouvoir insoupçonné d'Ida. Ça m'intéresse. D'accord. Eh bien, allons-y. J'ai un petit peu peur, mais... on va entrer dans la grotte. Et on va chercher la relique de la Triada. Voilà. Eh bien, c'est parti, mon kiki. Alors... On entend des coups de feu un petit peu au loin. Toujours aussi rassurant. Hop. Allez, bonjour. Très sympathique. Allez, on grimpe. Bonsoir. J'ai un collègue qui est à terre, visiblement. C'est pas mon histoire là, mais c'est pas grave. Ouh lolo, il y a des bouteilles lumineuses. J'adore les bouteilles lumineuses. Très bien, continuons. Grotte Lunatico. Mais les gars, moi ça me fait peur en vrai. Hein. Sans mentir. Hein. Et sans mentir, ça me fait peur. Personne m'en voudra, mais je garde un flingue. Et vraiment, hein, c'est un jeu d'horreur ou ça se passe comment? Il y a de la tyrolienne. Je dois préparer mon coup. Il y a de la tyrolienne, mon pote. Ça, c'est pour revenir, je pense. Ouais. Comment ça, tu dois préparer ton coup?
Y'a rien à préparer, frérot. Par contre. On se croirait sur The Forest ou quoi? Voilà. Bon, on va grimper sans réfléchir pour le moment. Ah! Là. Voilà. Oulala. Ok. Ok. Voilà. Très bel enchaînement de la part du joueur. Putain, mais fais pas tout effondéré non plus. Il est malade. Je peux grimper. D'accord. Non. Je suis bloqué. Je suis bloqué, les gars. Ah, c'est bon. Comment ça, je peux grimper? Pas du tout. Je ne peux absolument pas grimper. Ah, la coquine. Très bien. C'est une sacrée coquine. On va se perdre. On va se perdre. Moi, ça me plaît pas énormément. Mais pourquoi pas. Vous savez que j'ai un mauvais souvenir de quand on était dans la grotte sous l'eau. Parce que franchement, je sais pas comment j'ai fait pour ressortir. Enfin, si, je suis mort, mais. Comment. Il faut aller où là? Flèche de gauche. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Mais là on revient au point de départ, ma soeur, non? Oui, non, attendez, là on est au point de départ. Ok, très bien, allez, on recommence. On recommence. C'est complètement con. Je vais faire aller à gauche. Ah, là-haut, regardez. Il veut que j'aille en haut. Ah, oh, punaise. Ok, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Mais il y a un truc à lire en plus là. Vous avez surmonté la première de mes épreuves, alors je vous donnerai le savoir et la force de continuer. Ida est le dieu à qui je dédie mon œuvre et ma vie. Il est la rage, la passion, un tambour qui résonne dans la nuit. Il soulève mon âme, il inspire mon cœur et mes mains. Tout ça, tout ce que j'ai fait, j'ai été en son honneur. J'ai fait, était. D'accord, ça veut rien dire. Pour que ce pays n'oublie pas, quand j'ai entendu l'ordre de Castillo, j'ai eu peur que les dieux de la Triada soient oubliés. J'ai travaillé sans relâche, nuit après nuit, pour achever un hommage qu'il ne pourrait pas détruire. Et dans cet hommage, j'ai caché un objet secret que seul un vrai fidèle de la Triada pourra découvrir. Vous avez entrepris ce voyage, enfant d'Ida. Continuez. Très bien. Eh bien, on va trouver ce trésor. Nous ne sommes pas... Ah, regardez-moi ça. Je suis vraiment un con. J'avais la réponse sous les yeux. Oh, c'est pas vrai. Non, frérot. Réfléchis un peu là, balance-toi. Balance-toi. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai foiré. Balance-toi. Mais pourquoi je peux pas me détacher? Ah voilà. Excusez-moi, je suis un peu un illettré. Là, ça va swinguer. Ah, tu déconnes. C'était ridicule. Alors, ensuite. Hop. Et hop. Oh là là, magnifique. Oh, j'aurais pu enchaîner. J'aurais pu enchaîner, je me déçois. Voilà, oh, c'est magnifique. Ouh là 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 là. Ouais, non, ça c'est pas normal, ça, si vous voulez mon avis. Et hop là. Ok. Ok. On va y arriver. On va y arriver. La Triada est une religion, mais bien plus encore. Trois Uluvas, des dieux, dans une danse infinie. Les trois maintiennent l'ordre et préservent l'équilibre. Mais ces trois... Mais de ces trois Uluvas, c'est à Ida que j'ai voué ma vie, donc moi. Ah bah non, moi je suis un enfant de Ida pour lui. Ouais, bon bref, je cherche des conseils, je prie pour ma créativité. C'est la passion, la guerre, machin. Bref, c'est ton dieu, telle est la nature. Vous approchez de la fin, mon enfant. Presque. Ouais, je suis presque. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Je fais bien de le souligner. Du coup... Bonsoir. C'est parti. Ah! C'est par là. Merde. On dirait que je refais tout l'entraînement de base. Ah, j'ai cru que j'avais foiré surtout, ouais. Allez, eh ben on continue mon kiki. Petite tiro.
Bam bam. Allez, on est arrivé, frérot, là. On est arrivé. On rush, c'est le rush final. Là aussi, il faut grimper, regardez. Eh. Ah. Ah. Mais si, il faut grimper là. Oh. Fous-toi pas de ma gueule. Je crois que j'ai plus de force. Ou c'est moi qui comprends rien. Allez. Je suis bloqué. Ah, je viens de comprendre la douille. Oh punaise, c'est du parcours, mon pote. Ah ouais, c'est chaud. C'est du parcours, je sais pas où je dois aller. Je comprends rien, je vais aller me faire foutre. Laissez-moi regarder. Oh, j'avais juste... Oh là là, putain, excusez-moi. Alors, je vous assure, hein, à regarder, ça doit être pénible. Mais en fait, c'est tellement... c'est pas satisfaisant non plus à jouer, mais quand tu joues, tu comprends que ça casse les couilles. Voilà. Oh. Putain. Ida. Aux lois du feu, de la passion et de la guerre. C'est tout. Merde, ouais. Y en a d'autres. Faut que j'essaie de tous les trouver. D'accord. À force de volonté, de passion et de dévouement, vous avez trouvé. Cette idole représente ce qu'il est. Les Oluva sont cachés, deux autres présents pour vous sur Yara. D'accord, il y en a deux autres. C'est ce qu'elle a dit en effet à l'avance. Bordel. Symbole d'Ida, équipement tête, mais c'est ridicule. Ok, eh ben ça c'est fait, et ça fait plaisir. Attendez, c'est pas fini. 18 nouvelles idoles révélées. Ouh. Ah, c'est les machins qu'on fait les pour honorer, d'accord. Oh là 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 là, mais c'est... mais on est où là? Ah, on est là, oui. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et pour ressortir de nouveau, ça va être terrible. Mais quel est donc cet endroit? Faut pas que je passe par là, sinon je vais crever. Faut que je descende là. Voilà. Ah ouais, non mais là frérot, le chemin retour. Ah. Ça marche dans l'autre sens. Bon bah on va nager hein. C'est par où la sortie s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'angoisse. Je crois que je vais faire un TP rapide les copains. Ah ouais, faut remonter là-haut. Ah attendez. On va faire ça bien, regardez. Puis tant pis si j'arrive pas. Ouais, enfin on va faire ça bien, c'est vite dit. Oh, j'ai réussi, putain. Je suis une machine. Je dois aller où, là? Là-bas, c'est bon. Hop. Ah, oh, c'est bon, je suis trop... Ah, ça y est, je suis trop bon. Ah, là, je suis à fond. Vous voyez le radar depuis tout à l'heure? Il y a un hélicoptère qui survole. Et franchement, ça fait pas plaisir. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Ah punaise. Le grappin. Ici. Sauvez-moi. Parfait. Et là. Ah. Et là c'est pas très possible en fait. Yop. Non. Oh putain, qu'est-ce qui est con. Bon allez, c'est bon, je sais pas comment on va sortir. On va faire un petit largage aérien. D'accord. Et on va aller faire la mission du tank. Voilà, c'est des petites missions secondaires, mais qui font plaisir, qui rapportent des points, qui rapportent pas mal de bonus. Donc autant en profiter et savourer. Voilà, parce que sinon on peut terminer quand même le jeu très rapidement, je pense. C'est par où? C'est par là-bas, je reconnais. Bah voilà, on voit le hangar là, on le voit. C'est incroyable. Au final, vu du ciel, la map est petite. Hein. Par contre, là, je me suis carrément déporté. Range ton arme, je répète. Allez! Ça va, les Rey. C'est par ici. Tiens, ça me permet de récupérer ce petit sac à dos. Nous sommes un peu des voleurs, quand même. On vole dans le sac des gens. Bon, après, qui est assez con pour laisser son sac à dos ici? Je ne sais pas. Allez, salut mon pote, on s'en fout de ta mission là. En haut à gauche, nous on s'en fout de ça. Dis-moi tout. Tu veux faire la révolution?
Mais on sent une fibre artistique chez toi. Moi, c'est Zenia. Je peins. D'accord, elle veut peindre sur un char. J'ai senti ta fibre artistique au premier regard. Fais attention à toi, ok? Bah, évidemment. Très bien. Elle veut peindre un char? Tu te fous de ma gueule, là? Je vais voler un char pour ça? Sans déconner. Très bien. Très bien, très bien. Coffre cryptogramme? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va se téléporter ici, du coup. Et puis voilà, hein. Ça me fait toujours quelque chose de me téléporter là, puisque c'est un des premiers avant-postes qu'on a eu correctement, il me semble. Et c'était ici qu'on s'était fait piéger d'ailleurs, hein, au tout début. C'était pas au tout début, mais. Hello. Au début de l'aventure. Oui, c'est ça, c'est bel et bien ici. Allez, on y va. Tranquilo por aquí. Tranquilo. Doki doki. Allez, mets-moi un peu de musique là. Ah, il y a pas de musique sur la moto. Quel dommage. Oh, le klaxon. La 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 la. Une seule solution. Attendez, c'est par là. Hop. Et voilà. Attendez. Je peux pas monter. Est-ce une blague? Non mais c'est une blague. Tu peux monter tous les murs sauf cela? Non mais attends, frérot. Oh la flemme. Attendez, moi je voulais voir le panneau de propagande là. Ça m'intéresse moi. C'est écrit quoi? Clara Garcia. Ah, c'est de la propagande inversée. Très bien. Et on est dans une dictature, genre ce panneau n'est pas détruit. Ça me paraît bizarre. Alors attendez, parce que là... Mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dans une grotte. Oh, ah ouais, frérot. Là, attendez, on est sur un level... Ouvre l'œil, Dani. Un lance-flamme. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Ben là, le problème, c'est que... je suis dans la merde. Parce que si... En tout cas, je peux rien faire d'en haut. Il faut que je regarde un peu d'abord. Bon. J'avais pas vu ça comme ça. Faut faire ranger mon arme, hein. Pour éviter d'attirer les soupçons. Parce que bon, un mec qui se promène dans les bois comme ça à côté d'une base militaire, là, y a rien de d'étrange. Oh putain. Allez, c'est bon. J'ai le droit d'être là. Hein. Je te vois, sniper. Putain, lui veut foutre la merde aussi. Vous inquiétez pas. Regardez. Je suis un gibier. Oh, parfait. Je vais avoir une vue parfaite, là. Voilà. Neutralisons l'alarme. Ah, une alarme ici. Une caméra là. Et le tank doit être au fond. Ouais. Non, il y a une deuxième alarme au fond. Tu déconnes. Tu déconnes. Bon, le problème c'est que là, le sniper là, il va me causer du tort. Hein. Il est plus là. Si je l'assassine, je suis dans la merde. Fallait essayer. Qui ne tente rien n'a rien, vous le savez. Ouh, ça va être magnifique ce qui va se passer. Ce qui va se passer va être magnifique. Regardez bien, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Regardez bien. Il y a un corps ici. Ah! Et vite! Je pensais pas qu'il verrait le corps. J'ai un peu le seum. Ah merde, oui! J'avais pas vu qu'on le voyait de là. Oh! Un hélico. Oh non. Oh, c'est chiant. Oh non, c'est chiant. Il atterrit. C'est bon, il atterrit. Il atterrit.
appuyer les renforts, salopard. Attendez. Hein. Merde. Ça, c'est un char pour Zenia. Essayez d'appeler des renforts. C'est bon. Ouais, j'ai bien géré en vrai. J'ai bien géré. Bon, bah on va se le prendre. On va se le prendre, mais d'abord, n'oubliez pas le pouce bleu. Et surtout, récupérons... Bah elle est où la cache? Il y a bien une cache à quelque part. Ah, elle doit être en haut. Elle doit être en haut. Bon, attendez, j'y vais, bougez pas. J'espère que personne va respawn. Hein, on s'en rappelle, hein, dans un dernier épisode où tout est parti en couille. Parfait. Allez, on redescend. Ça, si j'avais su, je serais passé par là. En vrai, si je serais passé par là... C'est bon. Allez, à moi le char. Allô? Comment on rentre? Eh bah, ça commence bien. Voler le char. Bah oui. Et je le vole comment, connard? C'est une blague. Les gars, je sais pas comment rentrer dans le char. Oh, c'est une blague. Mais franchement, c'est pas facile. Allez, c'est parti. Zenia, devine ce que j'ai trouvé. Un char? T'es vraiment formidable. Ramène-le à Zeta. Ok, j'y vais. Allez. C'est par où? Dis-moi tout. C'est par là. Parfait. Bon, on va un petit peu rouler avec le char, ça rappelle des bons souvenirs. Comment ça je suis cramé? Comment ça je suis cramé? Oh! Voilà. Eh, ça va la comédie? À quel moment je suis cramé en fait? À quel moment je suis cramé? Oh là, il a du mal. Il a du mal, hein. Utiliser l'arme principale, l'arme secondaire, ok. Bon, il a du mal, frérot. Ouais, les gars, je vous jure, il a du mal, hein. Ça me fait paniquer, hein. Ça me... Non, vas-y, gros. C'est pas normal qu'il soit aussi lent. Je vous jure, des fois, il ralentit et tout. Bon, Inch'Allah... En vrai, je devrais pas suivre la route principale, mais c'est pas grave. Et merde. Ah, c'est bon. Voilà, pas le temps pour vos conneries, les gars. Pas le temps pour vos conneries. Ici, c'est chez moi. C'est mon tank. C'est mon char. C'est... voilà. Allez, on est bientôt arrivé. Eh ben, attends, regardez, là aussi il y a une mission de dans le même genre. Améliore ton véhicule et je te ferai quelque chose qui devrait te plaire. Oula. On ira voir. On ira voir. Oh là, je parais juste suspect, regardez, il m'attaque pas. Pardon. Je voulais pas écraser ce pauvre animal. Et en vrai, avoir un char comme ça, c'est génial, hein, pour pouvoir faire des... Genre, bah pour détruire les panneaux de propagande et tout, en vrai, c'est... Ce serait pas mal si on pouvait le garder. Hein. Allez. Dernière ligne droite, les copains. Et on y arrive. Heureusement qu'on a tous ces cures, qu'il y a tous les avant-postes qui nous appartiennent. Celui-là, il nous appartient. Hein. Ouais, c'est bon, Libertad. Tout est à nous. Ça, ça fait plaisir. Hey, tu vois ce camion-là? Hop, ça dégage. Par contre, je tue des innocents, hein, en faisant ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des prisonniers derrière. Donc les pauvres prisonniers, ils sont morts. Ils sont morts, pardon. Attendez, je dois prendre quel chemin, là? Parce que tu vois, il veut me faire faire... Ouais, c'est bon. C'est nickel. Hop!
Oh merde! Avis de recherche? Oh, je me suis mis dans la... Oh! Je me suis tellement mis dans la merde, regardez en bas à gauche, je suis trop con. Oh vraiment, je suis vraiment débile. Je suis vraiment débile. Oh, je suis un cassos. Oh, vite que ça disparaisse. Hein. Ça va, ça a l'air de disparaître assez vite. De toute façon, là, je suis en zone safe maintenant. Là. Voilà. Oh mon dieu. Je suis vraiment un cassos. Oh, je me suis chié dessus en plus quand j'ai vu le message. Battez-vous, fuyez. Sans deck. Allez. On est arrivé. N'ayez pas peur, hein, les amis. Hein. C'est moi dans le chat. Enfin, ainsi, vous pouvez avoir peur du coup. Hop. Et voilà. Voilà ma sœur. C'est pour toi, ces cadeaux. Laisse-le-moi un peu. Je vais lui refaire une petite beauté. Eh, aujourd'hui, on aura tout volé à l'armée. Hein. On a volé... Mais putain, j'ai même pas pu récupérer. Mais tu déconnes. Je peux toujours pas récupérer mon truc. Eh, salope. Ah, je plaisante. Attends, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, c'est plus un char? C'est oh là là, original signé Zenia Zayas. Une pièce unique. Il nous reste plus qu'à le baptiser avec du sang de vrai Yaran. Allez, les amis, ce let's char go. Est ton pinceau, et Yara. Ah, parfait, je peux récupérer ça maintenant. Oh les gars, je l'avais dit avant. On va utiliser ce char pour détruire les panneaux. Les panneaux publicitaires. Et là, c'est de Crossé. Donc le neveu. Cognon. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique. Ça va le faire. C'est pas ici que je vais aller. Voilà. Oh les gars, c'est trop cool. On va détruire, frérot, les panneaux publicitaires de José juste à côté. Alors ce qui est un peu relou, c'est que pour y aller, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Allez. Oh les gars, on se fait kiffer aujourd'hui. C'est l'épisode du kiff. On avance peut-être pas dans le scénario principal. On se fait des copains à droite à gauche, c'est l'essentiel. Et en plus, on est en train de mettre à mal la dictature, hein, disons-le. Et ça fait plaisir. Alors c'est bien la musique, je ne peux même pas l'éteindre. Là c'est vraiment, on est dans une mission hardcore les gars. C'est vrai qu'il est joli là, le camion, le tank en rose. Bon là on va se faire cramer à 10 000 km. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as vu, j'ai envie de fumer. Oh merde. Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Est-ce que je peux couper ou pas, vous pensez? Ah, je vais peut-être pas essayer. Attendez, on va voir. Est-ce qu'il va m'attaquer, lui, ou pas? Ah ouais. Oh là là, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Avis de recherche, tu m'étonnes. Allez, on fout le bordel en ville, les gars. On fout le bordel en ville. J'ai tué un civil, je n'ai pas fait exprès. Oh les poules. Ah. Je suis désolé. Non, franchement, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je vais avoir les associations sur le dos, ouais. Allez, on détruit toutes les panneaux de propagande, les gars. On fait monter notre niveau, là. Allez, on fait tout péter. Oh là là. Vive la résistance. Oh, il n'y aura plus rien, les gars, sur la map. On déchire tout. J'en ai rien à foutre. Oh merde, lance-roquette. Voilà. Hop. Allez, on est arrivé. Hop. Et de 1. Oh merde. Là, le deuxième. J'adore voir la tête de consolider. Comment tu te sens? Putain, je me sens super bien.
Il y a la tranche de Rosset dans tout le village. Continue de t'exprimer. Attends, je suis dans la merde là. Oh, je me fais exploser de partout. Arrête, c'est une blague. Bah ouais. Ah ouais, non mais à un moment donné, on peut plus rien faire. Eh les gars, j'ai tout donné, j'ai tout donné. J'ai donné de mon âme, j'ai donné de mon cœur, j'ai donné de mon amour. Pour tout faire péter. C'est moi qui me fais péter à la fin, eh. Eh, fais péter le décolleté. Sans déconner. Ouais, j'espère que ça va me TP au bon endroit. Hein. Ah, parfait. Sans les indices de recherche. Ok. Oh, mais là, il est cool, il va me foutre la misère, lui. Ah ouais. Oh, allez, ta gueule. Allez, c'est bon. Il est mort. Il est mort. Bah allez, sont où les panneaux là? Je comprends rien. Ils sont où les putains de panneaux là? T'es mort. Il va y en avoir un là. Ah, ça m'a sauvegardé que j'en ai déjà pété deux. Ok, ça n'en était pas un. Voilà, je sais pas. On va prendre des petits chemins, les gars. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Allez. Oh, mais c'est un tank ou c'est pas un tank, les gars? C'est pas tout terrain. Oh, je suis tellement baisé. Oh, je suis dans la merde, les gars. Oh, l'équipe, je suis bloqué. Oh là là. Allez, trace, 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 trace. Là. Hop, le troisième. Bon, l'hélico, là. T'es où? On sait même pas où est l'hélico, frérot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, encore là-haut. Hey, je voulais savoir où t'en étais dans ta thérapie artistique. J'ai fait de gros progrès. J'ai même l'impression que je vais bientôt percer. Putain, Dani, j'entends toujours des boum boum. T'as pas fini? Non, je m'éclate beaucoup trop. Pour t'empêcher d'exprimer ton talent créatif. Fais-toi plaisir. Quelle blague. Allez, qu'on en finisse. Oh, ah, ça, saloperie. Ah, il en reste encore un, putain. Il en reste encore un. Là. Voilà. Eh ben, je suis bien baisé. Zenia, notre projet est fini. Putain, ouais. Tu m'inspires. Un jour, je peindrai ton visage sur la tour d'Anton. Cool. Je vais suivre ma muse à Esperanza. Si tu veux frapper fort, c'est là qu'il faut aller. On s'y retrouve un de ces jours, ok? Ah ouais, elle est tarée. Elle veut qu'on se retrouve à Esperanza, quoi. Très bien. Bon, là, je suis dans la merde. Histoire de Yara terminée. Très bien, ça c'est fait. Bon, elle veut qu'on retourne, qu'on aille à Esperanza, donc la vie de dictateur, les gars. Au moins, je m'arrache. Foutez-moi la paix. Hein. Oh, les arbres et tout. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Moi, je me barre. Moi, je... me barre. Donc si j'ai bien compris, on pourra reprendre ce char quand on veut. Si je pense, hein. Je pense très sincèrement. Et ça, c'est cool. Bon, allez, on va essayer de se faire oublier un peu, les gars, parce que ça va être compliqué. Hein. Là, il me faudrait un véhicule. Ah, mais pas ça. Là, il me faudrait un véhicule que je puisse me barrer. Parce que là, mon indice de recherche, il va pas diminuer comme ça.
La panique. La panique, les gars. Lance roquette, les mecs. Attends qu'on y est. Il y a de la voiture là. Sors. Vas-y, grouille. Allez, grouille. Oh, je suis stressé. Voilà. On change de voiture. Ça sera pas mal. Allez. On s'arrache, les gars. Ça va changer. Ça va être bien mieux. Bon, donc je pense que le char, on pourra le retrouver à n'importe quel moment. Hein. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr. Ah ouais, mais là, il me traque de ouf. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle veut qu'on fasse ça à Esperanza. Et ça, c'est terrible. Bon, où c'est que je pourrais me planquer là? Parce que là, je vais les croiser tout le temps. Hein. Oh, allez, arrête. Où je vais aller là? Mauvaise idée. C'est une bonne idée. Ça m'a l'air d'être safe. Voilà, c'est bon. Ils ont perdu ma trace. Oh, regardez, je viens de trouver un endroit. Mais hé, les gars, peu importe où tu te balades, il y a quelque chose. Et ça, c'est dingue. On est où là? On est là. D'accord. Je découvre en effet un nouvel endroit. C'est vrai qu'il y a encore des trucs là. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh. Lasagna. C'est un petit bar et tout là. Mais c'est ultra sympa. Oh, je rêverais d'avoir un bar comme ça. De tenir un bar comme ça, ce serait incroyable. Ce serait insane. Bon, les amis, on va. Je vous propose qu'on va repartir sur une mission principale si vous le voulez bien. Voyons voir. Journal. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Donc, bien sûr, cible militaire. Hein. On a encore pas mal de choses à faire. Hein, des postes de contrôle, etc. Là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Chasse au trésor, on est bon. Histoire de Yara et opération. Nous, on va surtout s'occuper. Attendez, histoire de Yara. Il y a Juan. Ça faisait longtemps. Juan, il a des nouvelles choses pour nous. Tu veux d'autres joujoux? Trouve-moi de l'uranium appauvri. Ah ouais, lui il veut de l'uranium. J'en ai 100 sur moi. Oh bah super, attendez, j'en ai. On va aller voir ce qu'il a pour moi. Obtenez toutes les armes de Juan. Ok. Eh ben on va aller chez Juan. Tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné sur cette petite île. Allez, on va faire ça les amis. On va voir ce qu'il a à nous proposer comme nouvelle arme. Je pense que là il va nous régaler hein. Notre Juan de compétition. Ah, quel bonheur. Une heure de vidéo, c'est un plaisir. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, nous avons... Oh, il refait tout le temps des nouvelles armes. Ok, je pourrais en acheter qu'un seul par contre. Ok, je pourrais en acheter qu'un seul. On a le El Muro. D'accord. La Clavadora. L'El Bezito, on dirait... Ah ouais, ça fait des nuages toxiques. C'est un lance-flamme toxique, en fait. Le pyrotechno. L'aile Susurro. Ça tire des clous. Oh là 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 là. Ça fait plus de dégâts que les âmes normales. Hein. Oh là, regarde-moi ça. Déclenche une musique. Les disques infligent des dégâts. Les disques se brisent en éclats. Tire des disques qui peuvent se... Oh là 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 là. Et je le veux, lui, hein. Ah lui je le veux. On se reprendra de l'uranium bien sûr. Le but du jeu c'est d'avoir toutes les armes de toute façon. Personne n'utilise l'établi en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Oui, je promis, je vais m'en occuper pour le reste. C'est génial. Putain, hey, matez-moi. Attendez, mais du coup elle est où l'arme? Arsenal. Elle est où cette arme du coup? Là. Ah c'est à la place du lance-flamme. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer. Allô? Pourquoi je peux pas choisir mes armes là? Ok. Je peux pas choisir d'armes. Ah, parce que c'est une île safe, c'est ça? Voilà. Oh putain, regardez-moi ça. Ça fait de la musique vraiment! Macarena! Ok.
CD-ROM. Putain, ça doit être excellent. Alors ça, les gars, j'ai hâte d'essayer. J'ai hâte d'essayer. Par contre, je vais reprendre mon sniper. Et ce sera à la place de mon AK-47. Voilà, ce sera à la place de mon AK. Parce que comme je vais beaucoup utiliser la MP5K à la place, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais reprendre mon petit sniper. Alors, abus de langage, hein, c'est une falle. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu le... El Sniper. Voilà, ça va être super stylé, ça. Ça va être super stylé. Bah, attendez, les gars, vous savez quoi, on va pas s'en arrêter là. On va faire encore une dernière mission. On va arrêter cette mission en attendant. Opération, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Les Montero, les Légendes du 6-7 et les Maximas. Tiens, ça faisait longtemps, là, les Maximas Matanzas. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont pour nous, là. Fait le nécessaire pour libérer ces gens. Castillo enferme les gens. Vas-y. On va faire ça. On va faire ça et on va s'en arrêter là. Ça se passe ici. Oh là là, on va encore découvrir. Course à l'armement, ça c'est Juan. Mais moi c'est ça que je vais faire. Hein. Oui, qu'on soit bien d'accord. Oh là là, mon dieu, mais c'est... On va encore découvrir des choses. Ah non, mais ça, il faudra faire ça pour le prochain épisode, les amis. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on découvre une nouvelle zone quand même. Si je puis me permettre. Eh oh, les gars. Bon allez, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, on va y aller en hélicoptère. On va y aller en hélicoptère, les gars. Qu'est-ce que tu as fait ? Attendez, qu'est-ce que c'est que... Oh là là, un petit bunker encore. Oh là là. Note de reconnaissance, très bien, ok. Allez, Louisa, fous-moi la paix. Très bien. Allez. On va prendre l'hélicoptère. Bon, je pense qu'il y aura pas mal de canons anti-aériens, mais c'est bien, ça me permettra de les... Ça me permettra de les trouver et on aura du uranium. Et ça, c'est cool. Allez! La la la! La 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 la! Oh les gars, elle chante! Les gars? Attends. Elle chante! C'est génial, notre personnage principal, elle chante. Eh hey, mais c'est une dinguerie. C'est trop... Ce jeu est trop bien fait, les easter eggs. Vas-y, chante. Ah. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, là? Ce petit Razmot qui fait plaisir, là. Oh, attendez. J'ai l'impression de reconnaître cet endroit. Oh, bah oui, regardez. C'est là qu'on a cet enculé de Bembe. Faudra faire des missions pour Bembe aussi, les gars. Hein. Parce que, bah justement, en parlant des Maximas, c'est pour régler les dettes d'un des gars des Maximas, je crois. Quelle histoire. Il y a tellement d'histoires qui se mélangent, les gars. C'est phénoménal. Incroyable. Ce jeu est dingue. Ce jeu me façonne. Merde. Oh putain, je me suis pris un arbre. Très bien. On y arrive. On découvre un nouvel endroit. On n'a pas encore de canon anti-aérien sur notre gueule. Ok, c'est pas très sécurisé visiblement ici. J'ai le droit de voler, ok. Ouh là là là. On a un nouveau village, Feroza. C'est pas moche. Non. Tu croyais que j'allais me téléporter ou quoi? Ça va, pas la peine d'être désagréable. Je suis désagréable quand on m'emmerde. Je t'appelle en arrivant. Talia, je suis au zoo. Super. Je suis sur la Batidora, le gros manège qui tourbillonne. Ok, je vais te trouver. Attendez, c'est trop drôle ce qui vient de se passer. La meuf, elle se fait embrouiller. Non, non, je suis pas encore arrivé. Hein. Mais en fait, j'étais déjà arrivé, donc du coup... Bref, du coup on est dans un parc d'attractions, un zoo. Oh là là, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé pour le coup. J'ai vu que la zone d'exclusion aérienne, bah on y arrive là du coup. On y arrive. Oh, en fait quand tu voles ça marche pas les... D'accord. Feroza. Mais attendez. Attendez, Ah oui, non, j'ai confondu Verdera avec Feroza, oui d'accord. On est encore jamais allé là. Oui, oui, ça me rassure.
Je me disais bien. Comment je fais là pour concrètement? Très bien. Oh, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Ouais, je suis là. C'est trop stylé. Eh bien, écoutez, on est parti. Parlait pas mal sur Clara, d'accord. Un petit cours d'histoire. Vas-y, frérot. Avec Castillo, l'histoire se répète. Exactement. Je reste ici pour faire le guet. Exactement. Je dois me dépêcher ou des gens vont mourir. Un sniper. Ok. Une caméra là. Cette caméra doit disparaître. Ok. Regardons déjà plus proche. Voilà. Merde. Ouh là là. Libérer les prisonniers. Bon, j'en ai vu deux. Un ici, un ici. Ok. Eh ben, on va faire le nécessaire. Ah, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Sans déconner, ce jeu est tellement bien. Mais alors, par contre, des fois, c'est ridicule. Ah, et puis attendez, parce que l'histoire va se répéter, regardez bien. C'est bon. Tu déconnes. Non, tu déconnes. Allez! Non, mais c'est pas vrai! Oh non! Oh non, c'est trop! Ah non, c'est trop! Et comme on dit. Et comme on dit, jamais 203. Non, non, mais attends, c'est pas possible. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Hein. Saprousti saucisse. Attendez. Attendez. Voilà. C'est bon, et ne remonte plus jamais. Oh mon dieu. Ah bah non mais... Oh tu déconnes. Il faut que je remonte les gars. Parce que du coup j'ai plus les marqueurs. Oh mais c'est une blague. Oh je vais crever. Je vais crever de dépression là les gars. Des otages. Alors otage, il se fait tabasser le pauvre. Caméra, sniper. Voilà. Là il y en avait un à droite. Voilà. Là-bas il y avait un prisonnier. Voilà. Un ici. Et je crois que... Ta gueule, toi. C'est... On est déjà pas mal. Allez. Donc là... Oh, putain. Oh, j'ai cru que cette fois-ci, c'était pour de bon. Allez. On va passer par ici. Ça va aller très, très vite, les amis. Moi, j'ai pas votre temps. Je fais le malin. Je fais le malin. Et qui fait le malin? Foule dans le ravin. Attendez là, il y a quelque chose. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est la première statue qu'on voit. Magnifique. D'après les informations glanées par nos sources, les guérillos locaux ont réussi à mener à bien une surveillance de nos opérations d'approvisionnement. Pour contrecarrer, pas question qu'ils nous sursurveillent. Putain, mais on a déjà lu ça trois fois. On a déjà lu ça trois fois. Bah, on va rentrer par là, les frérots, non? Oh, c'est un beau parc. On va rentrer par là. Ah, il faut une carte. Fort embêtant. Fort embêtant. Parce que t'as cru que j'avais besoin d'une carte, connard? Ah, regardez. Est-ce que vous pensez que je peux le soudoyer? Imaginez qu'il ait la carte. Imaginez qu'il ait la carte. Bonne nouvelle pour tous les employés, le zoo national Castillo va entamer des travaux de modernisation. Mais c'est génial. Par ici. Donne-moi ta clé, toi. Qu'est-ce que t'as pour moi? Tu paies mieux que le gouvernement. Les ressources sont à cet endroit. Gracias, gracias. Oh, frérot, t'aurais pu me donner tes clés, hein. Ouais, c'est pourri, t'aurais pu me donner tes clés, quand même. Fermé pour rénovation. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh putain! Ah oui, d'accord! Ah oui! Ah, je comprends sur quoi il tirait. Bon. Bah attendez, je peux passer par là peut-être. On va essayer de passer par là. Fous-moi la paix! Okay, fous-moi la paix! C'est pas vrai. Si je donne des coups de feu, je suis mort, je peux rien faire. Je peux pas passer par là. On fait le tour, hein.
On fait le tour parce qu'il y a bien un endroit où il y a un trou, je pense. Il doit bien y avoir un endroit où on peut rentrer sans trop de difficultés. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout le tour comme des crétins, je pense qu'on aura compris comment rentrer, hein, mais sait-on jamais. Voilà, regardez. Fuck Castillo. Nickel. Suffisait de demander. Bon, à tout moment, les aigles me défoncent la gueule. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est pas magnifique. Allez. On va essayer le... Ah bah non, mais ça, on va se faire cramer avec le disco. Ça fait de la musique. Très bien. Mais... Tout ça pour ça. Bon, il n'y a plus d'animaux. Hein. Je déconne. Il n'y a malheureusement plus d'animaux. Bon, nous, on va les libérer. Les prisonniers. On aurait pu passer par là aussi. Le sniper. Ok. Je suis pas encore rentré. Ah, oh, j'ai le seum. Je ne suis pas encore rentré. Oh, il y a bien quelqu'un qui a une carte d'accès ici, non? En vrai. Là, les gars. Je suis un putain de BG. Eh hey, les gars, je pourrais développer des jeux hein, tellement je suis intelligent. Hop, ça c'est pour moi. Les gardes tireront sur les fugitifs. Ok. Il est temps de libérer ces personnes. Et il y en a 7 à libérer. Il y a encore une caméra là-bas. Voilà l'officier qui commande. Ok. Attendez, il va changer de direction, lui, il va bouger, non? Ah non. Ok. C'est bon. Même pas le temps d'ouvrir sa gueule, hein. Une alarme. Plus d'alarme. Voilà. Et on est pas mal là. Hein. On a bien commencé. Hein. On a bien commencé. On a vraiment très très bien commencé. Les clés. Mais je dois d'abord libérer tout le monde. Ok. J'ai récupéré des clés. Attendez, lui il me fait un peu chier. Lui, il me fait un petit peu chier. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y a rien là. J'arrive. Ok. Là, c'est pas tant se faire cramer le problème. J'ai désactivé les alarmes. Le problème, c'est qu'ils vont tirer sur les fugitifs. Et ça, c'est pas cool. Oh, c'est une blague, l'hélico. Pourquoi l'hélico vient tout foutre en l'air à chaque fois? C'est bon. Et dehors. Allez, on se dépêche. Aucun problème. Ok. Vas-y, follow moi. Nous tolérons l'insubordination aux lois et les perversions. La tolérance n'est qu'un prétexte pour la faiblesse. Finissons-en avec la tolérance.
Je fouille tout, hein. C'est quoi ça? Attendez. Allez, on se dépêche. Ok. Oui, bon, je priais tous les soirs pour que vous veniez. Pas continuer à torturer les autres. Il y en a encore ou pas là? Putain, les gars, je suis pas bien. Là, il faut pas que j'ouvre parce que. Y a personne d'autre dedans. Ça sert à rien de le sauver. Allez, on continue. Attendez, y a des trucs à récupérer. Allez, c'est l'heure de lire. J'ai besoin de 16 Foyarants pour des recherches médicales. D'accord. Très bien. Ouh. J'ai récupéré une carte là, non? Ou un canon. Ou des clés. Il y a une voiture. Il y a une voiture qui passe. Genre rien de bien méchant. Là. Oh merde. Non, c'est pour ouvrir. Putain! Ils sont où les derniers? J'ai buté tout le monde! Là! Salut les rouillas! Run! Il y en a encore un! Ouais! Il y en a encore un! Et je sais pas où! Et ça me fait bader! Ok, cet enfoiré. Ok, ils font des observations évidemment. Vous l'aurez compris. Là! Oh, j'ai failli la buter. Tout va bien, ma soeur. Allez, on se dépêche. Allez! Ils allaient nous donner en pâture aux chiens. Ah ouais. Allez, on s'arrache. Talia, les otages sont en sécurité. Super, mais ça suffit pas. Il faut montrer à Yara ce que fait Castillo. Montrer qu'on peut pas rester les bras croisés. Il y a des caméras de surveillance partout ici. Quelques images pourraient avoir de l'impact. Putain, mais ouais, Dani! On pourrait diffuser une vidéo! Bichon saura comment toucher plus de monde possible. Je vais chercher la salle de contrôle. Ok, c'est pas fini. Allez, direction la salle de contrôle. J'ai trop peur que ça parte en couille. Hein. En vrai, là, y a pas de raison. J'ai tous... Vu que je suis rentré par là, en vrai, je suis tranquille. Dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus compliqué, mais là, du coup, j'ai déjà tout safe. Donc, en vrai, on se met plutôt bien. La vidéo doit être ici. Yes. Allez, let's go. Bon, la vidéo. Attendez, il y avait un truc proche. Quoi? Dani. Attends. Ils envoient plein de renforts. Bon, j'ai pas fini le téléchargement. Défonce-les. On a besoin de cette vidéo. Oh, ta gueule. Oh ta gueule. Oh bah j'aurais dû garder la car en vrai. Ok. Allez. On tient le coup. On tient le coup. Tiens le coup. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Non, arrête ça. Allez, putain, on est même pas à 50%. Un hélico, frérot. Vas-y, viens voir. Voilà. Y'a plus d'hélico.
Oh putain, il y a un lance-flamme par contre. Allez, 60%. Il est bloqué, lui, derrière. Oh non, plus vite. Allez. Allez. Grouille. Je suis en train de faire une technique parce que le mec est bugué, je crois. Du coup, on va le laisser. Moi, ça me va très bien. Allez. 80%, putain, les gars. Je suis tellement en tension. Quel épisode, quand même. Quel épisode. J'espère que vous le kiffez, hein, jusqu'ici. Ah, j'espère que vous aurez fait des pauses, quand même. Très important. N'hésitez pas à dire en commentaire, d'ailleurs, si vous avez regardé l'épisode en entier ou si vous avez fait des pauses. Voilà, dites-moi ça à la fin, une fois que vous aurez terminé. Allez, on y est presque. Allez, c'est bon, c'est fini là. C'est fini. Enfin, c'est bon. Éliminer les renforts. Regarde, le renfort qui reste, il est là. J'ai compris. Allez, Alia, salut. C'est bon. La voie est libre et j'ai la vidéo. Je commence à comprendre pourquoi Clara t'aime bien. Maria pourra jamais dissimuler ça. T'inquiète pas, on mentionnera Libertad. Fais ce que t'as à faire, Talia. Ok, on se retrouve près de la statue d'Anton du côté des portes d'entrée. Ça vaut le coup. Tu verras. Fais-moi confiance, Dani. Maintenant, faut que j'arrive à sortir. Faut que j'arrive à sortir. Ok, faut que je sorte là-bas, j'ai pas le choix. Sinon je vais être dans la merde. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gardes pas loin là. Ok, bon bah ça c'est fait. On marque les amis des bons points. On fait de la bonne promo pour Libertad. Pour Libertad, pardon. Et ça c'est vraiment cool. Hein. Je suis rentré par où moi? Par là. Ah. C'est un pote. Voilà. Parfait. Bon. Rejoignez Tania près de la statue. Eh, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais appeler ma voiture là parce que ça commence à me faire chier. Je vais pas vous mentir. Eh, lui, il va pas me casser les couilles non plus avec son aigle. Merci, Foro. Allez, vas-y. Touche pas au siège, hein. Je l'aime bien comme ça. Merci. D'accord. On verra. Je changerai peut-être. Allez, c'est parti, rejoignons Talia. Et vive Libertad. On est comment on fait là? C'est par ici. Hop. Je suis là. Où, putain. Regarde, c'est le foutu zèbre d'Anton. C'est un cheval qui a été peint. Ouais, mais il va me rendre célèbre. Prends une photo. Dépêche. Prends cette putain de photo. Calme-le. Encore. Et je te bute direct. Les animaux m'écoutent. Ah là 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 là, ça c'est vraiment une Instagrammeuse. Hein. Ça c'est vraiment une Instagrammeuse. Bon, ça c'est fait. Bon les amis, et franchement, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Oh, il va pas me saouler la Rouane, hein. Eh, il va arrêter de me mettre les missions, hein. Pour le moment, c'est pas prioritaire, d'accord. Allez. Les amis, à très vite. À demain. Pour le prochain épisode de notre aventure sur Far Cry 6. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, évidemment, parce que 1h30 de vidéo, c'est quand même assez compliqué, hein, que ce soit niveau montage, mais surtout après le traitement de la vidéo et l'upload, etc. Donc voilà, si vous avez kiffé, je compte sur vous avec vos pouces bleus et vos commentaires, bien évidemment. Ça me fait Dani, super plaisir. Ouais, vous devriez bien vous entendre. Ah, très drôle. Rejoins-moi quand tu seras de retour au camp.
et on va les rejoindre au camp des Maximas pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!